Bonjour Monsieur Vissel, j'espère que vous allez bien. Moi très bien, je vais couper le son de mon PC. Moi, je vais avoir des petits problèmes. J'espère que vous allez bien. Moi très bien. Aujourd'hui on est là pour vous parler de mes achats du mois de avril. Avril, il ne faut pas que je me trompe. Mai, avril, je ne sais plus quoi. Il y a une belle pile. Je ne sais plus comment j'ai dit de livres. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 livres à vous présenter ici. Il y en a déjà un qui est lu et je suis très contente. On va commencer par celui-là. Vous l'avez déjà certainement vu si vous suivez mes vlogs. C'est la secret. Attends, qu'est-ce qui cloche avec la secret? Secret Kim. Je suis désolée, je parle un petit peu dans mon nez. Je suis malade, je suis enrhumée. Le tome 4. Je peux pas trop vous en parler comme c'est un tome 4, mais je suis contente de l'avoir et de l'avoir lu. Il fait déjà son effet, je suis impatiente d'avoir le tome 5 qui sort dans 2 mois. Mais vous l'avez en audio lecture. Je pense que je l'ai déjà mis. Du coup, voilà. Mais je suis contente de l'avoir eu et lu. Après, j'ai pris de cendres et d'écume et de glace. Le livre, tome 2, La Légende de Michel Lafon. J'ai le tome 1 qui est toujours là dans ma palle, n'est toujours pas lu, mais je voulais absolument avoir le tome 2. On ne sait jamais qu'il y aurait une pénurie ou qu'on ne le trouverait plus. Je le trouve trop beau. Voilà, et du coup, il est dans ma palle. Mais je pense me faire le tome 2, enfin le tome 1. Je vais essayer de me le faire dans pas très longtemps parce qu'il faut vraiment que je le lise absolument. Voilà. Après, je me suis pris un tout petit à 4,99 que je ne sais pas prononcer le nom. Voilà, et ici c'est chez HarperCollins Poche, voilà, de Anna Wendel. Il est dans ma palle de ce mois-ci. J'espère qu'il va passer à la casserole. Je suis très contente. Voilà, du coup j'espère acheter lu, c'est ce que je veux. Après, il fallait absolument que je me prends Bonne Saison, le tome 1, Raison d'os. Voilà, je le voulais, je l'ai acheté en poche. Et voilà. Au début, j'avais envie de les avoir en grand format. Mais comme vous le savez maintenant, j'aime beaucoup les poches. Ça se lit assez vite quand même. Bon, même si c'est écrit petit, mais j'aime beaucoup pour la main. Ici, vous le savez peut-être pas, mais enfin, ça fait quelque temps que j'attrape un problème à la main. Vous avez vu les. Le. Oh, le. J'ai fait des photos. Enfin, non, peut-être pas. En fait, j'ai fait une convention et j'ai passé toute la journée à faire des photos avec l'appareil en main. Et mon poignet droit, j'ai très mal. Ici, ça va beaucoup mieux. Mais ici, j'étais gonflée. Et du coup, en poche, c'est plus facile pour moi le tenir qu'un grand format. Du coup, c'est vrai que je vais plus vite chez un poche qu'un grand format. Du coup, voilà. J'ai envie de me le faire. Mais je me dis peut-être me le prendre quand j'irai quelques jours à la mer pour essayer de me le faire. Parce qu'il fait quand même 800, 600 pages. Je me dis peut-être qu'à la mer, sur la plage ou au camp, me le faire. Je sais pas pourquoi. C'est un moment qui me tente beaucoup. Je sais pas. Mais voilà. Je range en même temps les petits livres. Après, celui-là, c'était obligatoire parce que je l'ai lu le tome 1. Du coup, il faut que je le fasse. Je pense. J'hésite si je mets celui-là ou le tome 1 de celui-là dans ma palle du mois prochain. Mais je pense que c'est celui-là qui va passer plus vite que l'autre. Parce que comme j'ai déjà lu le tome 1, je serai en règle du coup. Du coup, c'est Deux Plumes et Deux Flammes. C'est une réécriture de Mulan. Ça aussi, c'est une réécriture de. Si je dis pas de conneries, c'est de. Oh, la petite sirène. Mais je suis pas sûre. Voilà. Ici, c'est de Mulan. L'autre, c'était. Belle. Belle et la bête. Et voilà. Et comme. Je pense que c'est celui-là qui passera à la casserole en premier. Parce que je dois le prêter à mon ami. Du coup, je pense que je vais pas tarder à me le faire. Après, j'avais tellement pas entendu parler que je me dis pourquoi pas. C'est pas. Ma sélection de livres, enfin dans ma sélection de livres que je lis, mais je me dis, allez, pourquoi pas, là, si lent, mais il est trop beau, il est trop shiny, shiny. Je l'avais vu en grand format, la beauté n'est pas toujours belle à voir,
C'est un peu, c'est pas la romance, du coup, voilà, c'est un peu, c'est comme ça, c'est pas du tout la même chose, mais c'est Disney, du coup, moi, Disney, j'adore. Voilà, mais ici, la beauté n'est pas toujours belle à voir, c'est une belle réécriture aussi de Cendrillon, je pense, et je me dis pourquoi pas tester, oui, c'est ça. Isabelle est vilaine de visage, mais aussi le cœur, car elle est une des méchantes belles-sœurs de Cendrillon, qu'elle mérite depuis l'enfance. Trop aventure, elle n'a pas d'eau et foulée. Une prin un princesse. Ouais, c'est ça, c'est une réécriture de Cendrillon. Du coup, je me dis pourquoi pas. Il est bien gros quand même. J'ai un peu peur, mais voilà. Après celui-là, il m'a flashé. J'aime beaucoup le dos de ce personnage. J'ai lu la quatrième du coup et je le trouvais pas mal. Maintenant, j'espère qu'il va beaucoup me plaire. Mais j'aime beaucoup le. Je sais pas, c'est quoi comme. Du coup, c'est Addictif Poche. Et c'est Sophie S. Perrucci. C'est Dark. Dark. Je sais, c'est Dark, mais l'autre, voilà. Il est trop beau. J'aime beaucoup. La petite phrase d'accroche que j'ai bien aimée. Il n'est pas celui qu'on croit. Elle nous plut. Voilà. Du coup, il va pas. Je dis ça à tous les livres, mais. C'est pas possible de tout lire, mais c'est pas grave. Celui-là aussi, il m'attend à beaucoup, beaucoup, beaucoup. Du coup, c'est. Je ne sais pas lire, à part Bye Boy. C'est chez IH, la collection. C'est Julie Percy. Je pense que c'est comme ça que ça se dit. Il tourne beaucoup ses livres pour le moment. Du coup, voilà. Mais celui-là n'est pas encore lu. Il y en a un autre qui est dans ma palle du mois. Il ne lui attire que des ennuis, mais en faudra plus pour le faire fuir. Voilà. Je me demande bien si c'est pas un petit peu MM, mais je suis pas très sûre parce que il ne lui en tire pas rigueur. Non, attirera que des ennuis. C'est il. Et pour le fuir. La faire fuir. Ouais, non, là. Du coup, non, non, c'est moi qui dis des conneries. Du coup, voilà. Et j'aime beaucoup la couverture. Celui qui est dans ma palle du mois de mai, qui est Rappelle-moi de te détester, de chez IH, la collection Nous Romans. Voilà, il est dans ma palle de ce mois-ci. Voilà, j'espère de lire. C'était dans Instagram, n'hésitez pas à me retrouver. J'avais fait un sondage pour celui-là et l'autre que vous allez présenter après. Du coup, il est dans ma palle de ce mois-ci. Qui est à lire, mais c'est pas fini. Et du coup, celui qui était à choisir. Ah oui, il y a l'autre aussi. C'est Sex Lit. La ma li arme. Nous rom aussi chez EH. J'aime beaucoup la couverture. Celui-là, il tourne partout sur Facebook pour le moment. Mais je pense que il va être dans la palle du mois prochain avec un Disney. Voilà. Celui-là aussi qui me tente beaucoup. Lisez. Par le feu de Taï, elle et Blandine P. Martin, que j'ai déjà lu un livre de P. Martin que j'avais adoré, qu'il faut que je me procure le tome 2, il faudra que je fasse. C'est un non audité. Voilà, non, c'est de chez non, BMP. Voilà, et j'aime beaucoup la couverture, le rose, le. Voilà, il me tente aussi beaucoup. Je l'avais mis aussi. Dans le. J'avais mis ces trois-là. Non, ouais, trois-là. Sur Vinted. Ah, Vinted. Qu'est-ce que je raconte? Sur Instagram pour que vous choisissiez ma lecture du mois. Et je pense que je vais faire ça. Je vais vous mettre trois lectures à chaque fois que vous choisirez. Je vais faire ça la dernière semaine. Et vous choisirez la prochaine lecture que je mettrai dans ma palle. Voilà, j'en choisirai deux ou trois et celle qui rapproche le plus de sondages, ben il sera dans la palle. Voilà, celui-ci est dans ma palle du mois de mai. Vicious de chez LJ Sen chez HarperCollins Poche. J'en ai beaucoup, beaucoup, beaucoup entendu et je me suis dit en poche pourquoi pas. Voilà,
au petit prix. Pourquoi pas le découvrir? Il y a plusieurs tomes aussi, c'est une série saine. Bon, c'est ce qui est marqué. Et voilà, il est le pire qui pourrait lui arriver ou le meilleur. Ouais, c'est une. J'ai adoré la petite phrase d'accroche. Je me suis dit pourquoi pas. J'aime bien la couverture, le rose, le gars qui. Le seul truc qui me dérange, c'est la petite cigarette qu'il y a dans la bouche. Mais voilà, elle est pas laide. Du coup, voilà. Je sais même pas en grand format comment elle est la couverture. Et celui que je voulais absolument quand je l'ai vu au magasin, que celui-là, je l'ai acheté au magasin. C'est ma voix. Mon voisin est un ours. Un poil ajarant. J'aime beaucoup cette couverture. C'est voilà, chez HarperCollins. Et c'est de Minnie Black et de Déborah Gurran. Je suis désolée si je décorche les noms, mais j'aime beaucoup cette couverture. Ça me fait penser à mon ami Joe, le copain de Mariette. Vous l'avez déjà vu dans les vidéos. Mais il a une barbe comme ça et ça me fait penser à lui, à part ses cheveux. Mais ça me fait penser à lui. Et du coup, quoi de plus Excusez-moi, c'est la deuxième vidéo que je fais et du coup j'ai pas encore bu et je commence à perdre ma voix si vous l'entendez. En fait c'est un voisin assez particulier mais il me tentait beaucoup et voilà, je sais pas s'il va pas aller dans la pâte du mois prochain, voilà, ou alors du mois d'après, mais il va pas faire long feu je sens. Et ben voilà, je vous ai tout montré. Je pense que j'ai été vite, non? Faire que 12 minutes de vidéo pour autant de livres. Voilà, dites-moi en commentaire ce que vous avez acheté le mois précédent. Oups, ce que vous avez envie de lire. Ou si vous avez un livre que vous avez acheté et que vous voulez faire une lecture commune, on peut aller sur Insta, sur Discord, voilà, sur Facebook aussi si ça vous en dit. Dites-le moi et on peut se faire ça une fois. Voilà, sur ce, n'oubliez pas un petit pouce, un petit commentaire et moi je vous laisse pour une prochaine vidéo. Bye bye tout le monde!